Messieurs, bonjour. Nous vous interrogeons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé avoir un petit peu votre point de vue sur la finance. On va commencer d'ailleurs par les inégalités. On va donner la parole à Hervé de Carmois. Hervé de Carmois, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les inégalités ? Qu'elles croissent aux États-Unis. Et elles croissent alors que la population américaine croît. Il y a aujourd'hui 50 millions de Sud-Américains. Dans 25 ans, il y en aura 130 millions. Il y a aujourd'hui 16 millions d'Asiatiques, ils seront 40 millions. Alors, comment croissent-ils ? Ils croissent parce que les Blancs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Sud-Américains, Noirs ou Jaunes, sont 15 fois plus riches que les autres. C'est un fait. Et que les inégalités de rémunération ne cessent d'augmenter. Quand je m'occupais de l'industrie automobile américaine, le patron de General Motors gagnait 30 fois plus que l'ouvrier. Aujourd'hui, c'est 400 fois plus. Donc, accroissement sensible des inégalités, c'est ça le point de départ. Okay. Et vous, en tant que citoyen, quand vous voyez cet accroissement fou des inégalités, à votre sens, quelles seront les répercussions sociales au niveau de la population américaine et peut-être au niveau de la population mondiale ? Au niveau de la population américaine, les répercussions ne seront pas des répercussions à la française. Les Américains ne vont pas se révolter. Pourquoi ? Parce que c'est un immense pays et que la population est disséminée sur un continent. Donc, ce sera lent. Mais il y a un début de rejet de ces inégalités qui explique que le président actuel des États-Unis mette autant l'accent sur la réduction des inégalités. Et pourquoi est-ce que les inégalités se sont accrues ? Parce que les salaires des gens qui ont entrepris et ont créé des affaires se situent dans le milliard de dollars et que vous avez des centaines de milliers de cadres moyens qui voient leur niveau de vie baisser. Pourquoi ? Parce que l'éducation a considérablement augmenté. On pouvait aller à l'université américaine pour 20 000 dollars an. Aujourd'hui, il en faut 80 000. Et parce que le coût de la santé a explosé. Philippe Béchade, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que Hervé vient de nous donner comme information ? Et est-ce que vous pouvez saupoudrer dans votre raisonnement un peu les GAFA, Google, Facebook, la Californie qui souhaite faire sécession, la Californie, voilà, plutôt la Silicon Valley. La Silicon Valley qui souhaite faire sécession au niveau de la Californie, qui souhaite peut-être même établir des bases en dehors des eaux internationales pour créer ses propres règles. Philippe ? Alors, je vais rebondir déjà sur la question de l'éducation. Effectivement, on est sur une quinzaine d'années pratiquement parvenu à un triplement des frais de scolarité pour des débouchés qui malheureusement ne sont pas extensibles à l'infini puisqu'il y a énormément de postes d'ingénieurs qui ont été délocalisés vers l'Inde. Je parle notamment de l'informatique. Donc ne reste aux États-Unis que les postes de recherche très pointus. Quand on regarde la composition du Congrès américain, sénateurs et représentants, on s'aperçoit qu'ils sont plus de 70% à sortir de 6 universités américaines. Lesquelles ? Oh bah, on les connaît tous, hein, c'est-à-dire Harvard, Yale, MIT, etc. Même Cambridge, enfin... Ce sont les plus chères et ce sont celles qui donnent le plus facilement accès soit à une filière aujourd'hui qui est presque la filière royale pour arriver à un mandat électoral aux États-Unis, c'est-à-dire la filière du droit, ou alors la filière du business management, un businessman qui a réussi, à l'image de Mitt Romney, tentant à un moment ou à un autre de devenir un homme politique. Voilà, donc là, on a une sorte de reproduction de l'élite, parce que tout ce monde-là se coopte, parce qu'on y met ses enfants dans les mêmes universités, et elles sont très chères, elles deviennent carrément inaccessibles.
Donc ça, c'est un facteur d'inégalité, tout simplement parce que les filières qui mènent vers le sommet de la pyramide, aujourd'hui, sont réservées à ceux qui ont déjà acquis les moyens d'y mettre leurs Qu'est-ce enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Votre avis pur sur la cooptation, la consanguinité de certains élites qui prennent des décisions pour la majeure partie. C'est quelque chose qui choque évidemment notre auditoire s'il est français, s'il est italien, suédois, danois, puisque au Danemark, non seulement les études sont gratuites, mais en plus de ça, les étudiants sont même payés. Ils sont même payés entre 700 et 800 euros par mois, ce qui leur permet de se financer au moins une chambre et leurs études. Donc je referme cette parenthèse-là. Aux États-Unis, non, ça n'a rien de choquant. Tout est payant. Et la qualité se paye, donc aujourd'hui il n'y a pas véritablement ça ne choque pas la population de se dire que petit à petit les études deviennent carrément inaccessibles. Alors il y a un système de bourse qui permet à quelques très méritants d'accéder justement aux bonnes filières, mais bon, à part ça, ça ne choque pas vraiment l'américain. Méritant ou caution politique ? Méritant ou caution politique ? Non, c'est quand même méritant. D'accord. Avec ce biais qui est d'essayer de favoriser justement les minorités dites voyantes. D'accord. Donc on essaie de permettre l'accès à des enfants de la deuxième génération, des migrés chinois, latinos, etc., d'accéder. Maintenant, très rapidement, sur ce qui se passe en Californie, bon, là aussi, on s'aperçoit que ceux qui arrivent aujourd'hui à créer des boîtes, qui arrivent à trouver des financements, sortent également des meilleures universités technologiques. Et une fois qu'on a réussi, aujourd'hui, le grand enjeu, c'est pas de maintenir la suprématie américaine sur le plan technologique pour une boîte, c'est également de s'affranchir totalement du système fiscal américain. Les entreprises qui aujourd'hui sont devenues des multinationales ont un taux d'imposition de 8% sur les bénéfices, voire pour les plus malines et les plus proactives en termes de dissémination de leurs profits dans les paradis fiscaux, elles arrivent à faire tomber leur taux d'imposition moyen à 5%. Alors on va rebondir là-dessus avec Olivier Berruyer. Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Le taux d'imposition des grosses sociétés comme Facebook, Google, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des Luxembourg Leaks ? Oui. On vous écoute. J'aimerais revenir d'abord dans un premier temps sur les inégalités, en rappelant que c'est un phénomène qui touche tout le monde occidental depuis les années 70. En tout cas, c'est un phénomène qui démarre aux États-Unis et qui a touché très fortement les États-Unis, assez fortement le monde anglo-saxon, et ensuite de façon un peu plus modérée les pays type Allemagne, France, Italie. Les conséquences de ce changement mental, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'évidemment l'arrivée de Ronald Reagan aux États-Unis accélère ce mouvement de croissance des inégalités, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est vraiment théorisé. Et c'est une doctrine, et c'est peut-être la première fois de l'histoire qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on recherche plus d'inégalités en se disant que finalement les riches étant plus riches, eh bien il y aura un ruissellement sur les plus pauvres et ça enrichira le pays, ce qui est vraiment nouveau, parce que même les libéraux américains des années du 18e siècle étaient très libéraux, voulaient peu d'État, mais ils se disaient le but, ce sera quand même de réduire les inégalités au final. Ici, le but est de les augmenter. Je peux vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de sélectionner les plus dangereux ou les plus greedy, les plus cupides d'entre nous, les plus agressifs dans le business ? Eh bien, ça, en tout cas, c'est une façon d'enrichir encore plus, je dirais, l'élite américaine. On sait que les quelques pourcents les plus riches des États-Unis possèdent la moitié du patrimoine. Enfin, on est vraiment sur des niveaux aux États-Unis, dont on a peu conscience en Europe, mais qui sont délirants en termes d'inégalité. Et évidemment, les conséquences de ce mouvement-là sont évidemment d'enrichir la très haute bourgeoisie, ou quelque part la nouvelle aristocratie. La nouvelle noblesse. La nouvelle noblesse, oui, c'est une forme de nouvelle noblesse, alors qu'il va être financière, qui va être aussi parfois médicale là-bas, vu les spécificités du modèle de santé aux États-Unis, et qui sont les avocats. Voilà, en gros, c'est le trader, c'est le trader, le PDG, l'avocat et le médecin qui finissent par avoir des niveaux de plusieurs millions d'euros par an
de revenus. Les conséquences sont de plusieurs ordres. Évidemment, il y a la conséquence sociale, et tout le monde voit bien ce que ça peut faire d'avoir, en termes de délitement social, une croissance des inégalités, même si, comme le disait Hervé, dans le cas particulier américain, on a une société qui tient assez bien face à ce modèle-là, puisqu'il y a vraiment une idée aux États-Unis de « si tu as échoué, c'est ta faute ». Et chacun intériorise ça, dire « bah oui, bah, j'ai pas un rond, mais je suis mauvais, en fait. J'aurais pu devenir président des États-Unis comme Obama, je l'ai pas fait, donc c'est ma faute ». Il n'y a pas forcément de raisonnement en disant « oui, mais attends, j'ai pas pu aller à l'école parce que ça coûte un bras et que le banquier me suivait pas et que mes parents étaient au chômage, etc. » Donc, en tout cas, une problématique sociale. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des effets économiques qui sont extrêmement importants en termes de captation de la richesse produite par un secteur finalement improductif. Si je donne 1 000 euros de plus à un ouvrier américain, bah, il va aller le consommer, il va bien aller faire des courses, donc il va faire tourner l'économie. Si je me mets à donner 1 000 euros de plus à un multimillionnaire avocat américain, qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien, il va le placer sur des marchés financiers qui vont se placer, qui vont alimenter des bulles qu'on connaît, qui vont peut-être aller spéculer sur le rouble en Russie, aller savoir en tout cas, qui vont être enlevés de l'économie réelle et donc qui a une influence assez forte sur les pannes de croissance que connaissent le monde occidental. Et encore, on parle de croissance des pays en général. Je veux dire, aux États-Unis, il y a 2,5% de, 3% de croissance. Si je ramène par habitant, il n'y a plus que 2,5%. Si je rajoute les habitants sud-américains qui sont non déclarés, il n'y a peut-être plus que 2% par habitant. Donc c'est déjà certes plus qu'en Europe. Mais on n'a pas d'analyse très fine là-dessus. Mais il est assez clair, les travaux de Piketty Sayles sur les inégalités aux États-Unis, que si vous regardez les 90% de la population qui gagne le moins, ou peut-être les 80, les 80-90%, donc cette masse-là des États-Unis est probablement en récession depuis 2008. Et c'est les 10% supérieurs qui ont peut-être une croissance de 10% par an, ce qui au final va vous faire, tiens, une petite croissance de 2% sur le pays, mais il faut bien voir qu'il y a un pays qui coule, enfin une partie du pays importante qui coule, et une partie qui s'en sort très 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 bien, en particulier en étant aussi aux dirigeants des entreprises dont on parlait tout à l'heure, et qui vont éviter de payer des impôts, ce qui augmentera. Alors, on reviendra vers vous concernant les Luxembourg Leaks. Olivier Delamarche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce qui vient d'être dit, les Luxembourg Leaks, les inégalités, l'évasion fiscale à travers l'Irlande de grands acteurs comme Google, Facebook? Et un petit point bonjour. Sur les food stamps. Sur les food stamps. D'accord. Écoutez, si on veut donner des chiffres, vous avez à peu près 50 millions d'Américains, un petit peu moins de 50 millions d'Américains qui sont au food stamp, oui. Vous avez 60% des ménages américains qui ne peuvent pas faire face à une dépense de $400 sans emprunter les $400 ou se les faire prêter par leurs proches. D'où est-ce que vous tenez vos chiffres ? Oh, les chiffres, ils sont publiés par le BLS, par le BEA et les différentes enquêtes de la Fed de Philadelphie, etc. Donc, vous avez aujourd'hui une accélération de la pauvreté aux États-Unis comme on n'en a jamais vu depuis les années 30. Donc, alors c'est vrai que vous avez des prêts étudiants qui sont la nouvelle bulle derrière probablement la bulle du pétrole, mais vous avez une bulle qui s'est constituée parce que les frais pour faire face aux études sont de plus en plus importants et qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les débouchés sont de moins en moins importants. C'est-à-dire que vous avez des gamins qui s'endettent de $80 000 pour faire leurs études et qui ne trouvent pas de boulot, sauf un boulot de serveur, ce qui va être compliqué pour rembourser les $80 000. Donc vous avez tout un tas de choses qui se sont considérablement dégradées depuis 5 ou 6 ans, depuis 2008, en gros. Et malgré une considérable montée du Standard & Poor's, mais ça ne réjouit que les deux ou trois Gus qui ont des actions. Concernant les Luxembourg Leaks. Oh, sur les Luxembourg Leaks, j'ai rien d'extraordinaire à dire. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que c'est plutôt qu'on s'occupe de
de chasser les quelques personnes physiques qui ont mis 100 000 ou 200 000 balles en Suisse, hein, mais qu'on continue joyeusement avec l'Irlande, qu'on veut maintenir absolument dans l'euro, parce que c'est quand même un tel apport qu'il faut les maintenir dans l'euro, et qui permettent aux entreprises, aux grandes multinationales, de ne payer que 7 ou 8% d'impôts, quand ils en payent 7 ou 8, parce que quand ils sont suffisamment puissants, ils négocient même 6. Et donc voilà, enfin, je veux dire, on est dans une espèce de haro sur le baudet, sur le particulier dont le grand-père a mis 100 000 balles de côté en Suisse, hein, et puis que Total, grâce à ça, fasse échapper 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'impôts, ça gêne personne, il n'y a aucun souci. Hervé, pour résumer la situation, vous nous avez expliqué tous les quatre, pour résumer trivialement les choses, qu'il y avait une doctrine américaine projetée sur la finance, une doctrine, même nous en avons discuté avec Pierre Conessa des affaires stratégiques, une stratégie projetée sur l'Europe. Les conséquences de la finance, est-ce que vous les anticipez aussi, ces conséquences inégalitaires, est-ce que vous les anticipez sur l'Europe, Hervé ? Inévitablement. Mais où est la source de la principale différence entre les États-Unis et nous ? Les États-Unis ont refusé depuis 20 ans de contrôler leurs banques. Elles refusent de voir que les banques américaines ont pris des risques énormes. D'abord, la source première des risques, c'est la réglementation américaine de 1970 qui a autorisé la rémunération des dépôts à vue. Et comme les dépôts à vue ont été rémunérés, alors qu'ils ne l'étaient pas avant, les banques américaines ont eu un manque à gagner énorme. Est-ce que vous pouvez expliquer succinctement qu'est-ce qu'un dépôt à vue pour nos auditeurs ? Un dépôt à vue, c'est quand vous avez quelques milliers d'euros que vous n'avez pas placés dans des dépôts à un mois, trois mois, un an ou dans des actions, qui sont en quelque sorte assises sur votre compte à ne rien faire. Bon, ça représente des centaines de milliards de dollars. Et ça représentait 30 à 40% du financement, de la liquidité des banques. Elles utilisaient les dépôts de ces particuliers et des entreprises qui étaient là, assises, bien placées dans leurs comptes et qui ne bougeaient pas beaucoup. Alors ils ont pris ça. Et soudain, l'État a dit, il faut les rémunérer. Et comme il a fallu les rémunérer, ça a entraîné une diminution de 40 à 50% de la rentabilité des banques en fonction des taux d'intérêt. Donc cette transformation-là a amené les banques à dire, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent ? Alors il y a eu un deuxième, ils ont arrêté le lien entre l'or et le dollar. En arrêtant le lien entre l'or et le dollar, les banques américaines se sont vues dotées d'autorisation d'augmenter massivement leur bilan. Autrefois, il y a 30 ans, le bilan de la banque ne pouvait pas être plus de 10 ou 11% plus grand que les fonds propres de la banque. Aujourd'hui, on arrive, selon les banques, à des taux de 50 fois plus grand, 80 fois plus grand, 90 fois plus grand. Des effets de levier de 90. Des effets de levier de 90. Ça vous explique qu'il y ait en ce moment 10 000 banques américaines depuis 2008 qui soient tombées en faillite. Parce qu'elles ont exagéré. Car la réglementation a changé. Vous parlez de réglementation. Pour revenir sur ma première question initiale, les Luxembourg Leaks. On a vu quelqu'un exfiltrer de l'information concernant Jean-Claude Juncker qui aurait organisé l'évasion fiscale ou facilité l'évasion fiscale de très, très, très grands acteurs mondiaux. Maintenant, Jean-Claude est à la tête de l'Europe. Est-ce que vous ne pensez pas que la réglementation est un peu pipée ou tronquée dès le départ ? C'est-à-dire que nous avons des élites qui sont cooptées ou du moins sélectionnées pour soit leur agressivité, soit leur capacité à raisonner ou faire perdurer un système. Est-ce que vous ne pensez pas que ces fameux Luxembourg Leaks sont la quintessence même de cette veulerie politicienne, politico-financière ? Écoutez, on ne peut pas le nier.
Hein, il y a une tolérance à l'égard des Européens qui enfreignent la loi concernant leur déclaration de revenus et leur déclaration de patrimoine qui mérite d'être contestée. Mais où est-ce qu'on peut... Mais sous quel point contester, je suis entièrement d'accord avec vous, il y a une enquête qui a été faite et des députés européens ont reçu des pressions pour se retirer de cette enquête. Eh bien, ça montre qu'il manque de courage, c'est tout. Il est indispensable d'avoir des représentants de la population qui agissent dans l'intérêt à long terme de la population. Et que ces flux de capitaux énormes qui ont été déposés au Luxembourg devraient avoir été ailleurs de façon à servir la communauté des pays qui constituent l'Europe. Ça demanderait peut-être d'avoir des hommes d'État et non pas des hommes politiques de carrière pour ça. Alors là, le choix des hommes est une grosse question. Comment se fait-il qu'on ait élu ? Qu'est-ce qu'on doit montrer pour être élu ? Est-ce que le fait d'indiquer qu'on va pénaliser les riches, on va faire respecter l'intérêt général fiscal et on va prendre les mesures nécessaires, est-ce que ça vous fait élire ? Vous jugez, je juge et j'ai un point d'interrogation. Olivier Berruyer. Oui, c'est une illustration que la fraude est finalement au centre du système, et ce sur de nombreux domaines. On a bien vu quand les banques ont fait faillite en 2008, il a failli recapitaliser d'urgence, et évidemment au final il n'y a eu pratiquement aucune sanction sur les dirigeants, aucune sanction. En particulier si on regarde les subprimes sont, c'est des milliers de fraudes du PDG jusqu'au petit employé, au petit courtier de base qui, quand il voyait un Américain à 5000 euros de revenus par an, disait qu'il en avait 50 000 et puis truquait toutes les déclarations pour refiler ça à la banque. Et on voit qu'il n'y a eu aucune poursuite, contrairement aux faillites à la fin des années 80. Les caisses d'épargne fin des années 80 aux États-Unis, c'est des centaines de procès. Il y a eu pratiquement zéro ici. Olivier Delamarche. Les Luxembourg Leaks, juste un petit mot pour profiter sur les Luxembourg Leaks. Bon, c'est un exemple que le Luxembourg a participé à l'évasion fiscale de ses voisins européens, comme le fait l'Irlande, comme le fait le Pays-Bas, comme se fait aussi la Belgique sur certains points. Donc ça montre qu'il n'y a aucune solidarité en Europe interétatique et que l'idée est essayons d'aller tondre le voisin et du piquer de sa base imposable. Certains en ont fait même un modèle de ce système. Au final, on a une irresponsabilité totale. De toute façon, c'est assez frappant dans le système dans lequel on est, parce qu'on dit parfois il est libéral, ultra-libéral. Alors, sur certains côtés, oui, on voit très bien. Sur certains côtés, oui, ça peut s'appuyer sur des théories de dérégulation totale façon Milton Friedman. Mais dans la théorie ultra-libérale, je n'adhère pas, mais en tout cas qu'il y a une forme de cohérence, au bout d'un moment il y a une sanction. Et quand la banque, on l'a dérégulée, au bout d'un moment, le jour où la banque a un problème, elle fait faillite, point final. Voire même, il n'y a pas de garantie pour responsabiliser les gens. Donc en tout cas, dans la théorie ultralibérale, il y a à un moment une responsabilité, une sanction, des gens qui vont en prison. On voit qu'aujourd'hui, il n'y en a aucune, voire même qu'on promeut ceux qui se sont trompés. On nous vante le beau modèle européen, alors on voit qu'il n'y a aucune solidarité. Ceci étant, c'est notre faute aussi. C'est-à-dire qu'on n'aille pas trop chercher ce que fait Google ou ce que fait Apple. À partir du moment où on fait une zone en Europe où il n'y a plus de frontières et on n'a pas homogénéisé les taux, évidemment qu'il va se trouver un crétin quelque part, qui va être moins honnête, en tout cas moins dans la philosophie générale, qui va mettre comme l'Irlande un taux d'imposition sur les bénéfices, j'en sais rien, moi, 5 ou 10%. Et évidemment, tout le monde va aller là. Tout comme si vous voulez monter votre entreprise aux États-Unis, si on vous dit au Texas c'est 5% d'imposition, c'est 32% à New York, réfléchissez un peu où vous allez, je pense que vous allez au Texas. Donc le problème c'est bien pourquoi on a fait ça. Et en conclusion, je trouve tellement extraordinaire d'avoir mis Juncker à la présidence de la Commission. On voit que le type quand même, il a organisé la fraude fiscale en Europe, c'est pour montrer sa vision de ce qu'il peut y avoir. Juste un petit mot, Juncker, quand il va avoir des problèmes économiques, il s'adresse à qui ?
Ah bah, il s'adresse à Pierre Moscovici, évidemment le winner quand même économique en Europe. Et au pire, quand Moscovici dit qu'on s'occupe de la France, il décroche le téléphone qui répond Harlem Désir comme ministre des Affaires européennes, c'est-à-dire qu'il a planté le PS, on a mis là parce qu'il fallait l'exfiltrer du PS. On a dit on le met où au lieu de dire on le vire en fait. Non, tiens, on va le nommer ministre des Affaires européennes. Sérieusement, enfin, ça peut paraître un sketch vu de loin quand même cette histoire. Je vous passe la parole tout de suite après. Je me rappelle d'une histoire d'un président américain, un Kennedy, du moins un parent de Kennedy, à la sortie de la grande crise du jeudi noir. C'est-à-dire qu'il a été bombardé à la réglementation bancaire parce qu'il connaissait très très bien le milieu. Est-ce que vous pensez que c'est un Kennedy, le Juncker ? C'est lui faire beaucoup d'honneur, je pense. Voilà. D'accord. Oui. Olivier, allez. Non, mais alors ce que disait, je suis tout à fait en accord avec Olivier, mais le pire, c'est que c'est dans tous les pays comme ça. La Chine, c'est Hong Kong, les États-Unis, c'est le Delaware. Je veux dire, on a ça dans absolument tous les pays. On en parle là en Europe parce que c'est le sujet du jour, mais vous avez ça absolument partout. Donc des systèmes qui permettent de détourner la fiscalité des États, qui est, c'est vrai, devenu tentaculaire, donc il y a une soupape de sécurité. C'est je suppose comme ça que le joue en tout cas les politiques, c'est de se dire il faut à un moment offrir une porte de sortie. Mais qu'on ait un système qui soit complètement corrompu, je ne sais pas si vous avez tous les ans vous avez je ne sais plus quel organisme qui publie la liste des pays et de la corruption dans les pays. La France est très bien classée, hein. Très très bien dans le négatif. Hein. Voilà, on sait qu'ils sont corrompus, on sait que, et là malheureusement, on sait qu'il n'y a pas de sanctions. Je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Le jour où vous aurez des sanctions pénales à une personne qui fait sauter une banque, parce que là aujourd'hui il n'y a rien. Vous avez une amende à la BNP de 7 milliards de dollars, 7 milliards d'euros, pardon, 10 milliards de dollars. 7 milliards d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le patron s'en fiche complètement. Il fait un chèque. Mais qui est-ce qu'il paye ? C'est nous. C'est si nous. Vous êtes à la BNP. Non, c'est nous aussi, partout. Enfin, de toute façon, c'est moins d'impôts, donc partout. Parce qu'en plus, ils l'ont mis comme charge déductible, ce qui est énorme. En général, les amendes ne sont pas déductibles. Mais là, c'est déductible parce que c'est la BNP. Donc, on le paye. Mais en revanche, les gains, c'est pour le patron. Et après, quand il part, on lui offre un joli poste. Mais si le risque, c'était de se prendre 10 ans de tôle, il réfléchira deux fois avant de faire des bêtises. Philippe ? Je pense que c'est la définition même de ce qu'on appelle la ploutocratie. Tout simplement, la collusion entre les milieux d'affaires et les milieux politiques. Alors moi, j'ai plusieurs observations à faire en ce qui concerne la responsabilité des politiques. Il n'y a pas de service après-vente. Une fois que vous avez élu quelqu'un, les décisions qui vont être prises, celles qui vont totalement échapper au radar des citoyens, il n'y a malheureusement rien à faire. Vous prenez un gouvernement comme celui de la France, où vous vous apercevez que sur 30 ministres, il y en a deux qui sont passés par l'entreprise, qui ont une petite expérience de l'entreprise. Les autres sont surtout des politiciens professionnels. Ils ne sont spécialistes de rien. Donc le jour où il faut prendre une décision un peu complexe, un peu compliquée, sur la fiscalité, sur la façon dont doit fonctionner le système bancaire, ce sont des spécialistes dans le périmètre des politiques qui assument le suivi des dossiers, le traitement des dossiers. Ensuite, ça fait l'objet d'un vote à l'Assemblée. Les gens ne savent pas du tout ce qui se passe parce que c'est trop compliqué. Même le gouvernement ne comprend pas grand-chose à ce qui s'est passé réellement. Et à la sortie, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences si les gens
en avaient eu conscience avant de glisser un bulletin de vote dans l'urne, ils auraient dit surtout ne faites pas ça. Enfin, c'est ça, c'est à notre détriment. Ça n'est fait qu'au profit d'un cercle restreint de gens qui tiennent pratiquement tous les leviers financiers. Donc, il n'y a absolument aucun moyen de contrôle après coup quand on a élu des politiques et que ces politiques confient la réalisation des réglementations européennes, etc. Il n'y a pas de contrôle. Est-ce que vous avez terminé, oui, c'est exact, il n'y a pas de contrôle. J'avais juste une question. Oui, vas-y. À ces politiques, à ces foules aveugles ou à ces politiques qui leur crèvent les yeux? Oui. C'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce qu'on est entre les deux à l'heure actuelle? C'est-à-dire que l'électeur n'a pas le temps, dû au stress économique, de s'intéresser réellement à la politique de la cité, ou c'est vraiment réellement orchestré pour que il soit complètement borgne ou complètement aveugle par rapport au déroulement des choses? Je reviens à quelque chose de simple. Il y a des lois. Ces lois ne sont pas respectées en matière de fraude, en matière de dissimulation. Elles ne sont pas respectées. On n'a pas à se plaindre auprès des dirigeants. Il faut que l'ensemble des responsables sociaux, des journaux et des pouvoirs publics décident d'appliquer la loi. On a tout ce qu'il nous faut. Hervé, le budget du ministère de la Justice en France, c'est moins que le budget de l'écologie. Mais je sais, mais il faut peut-être que l'État décide d'augmenter significativement le budget du ministère de la Justice, et avec la perspective de récupérer des milliards. Et elle est là, et certains pays le font. Et je peux vous dire que la fraude fiscale dont nous parlons est infiniment moins grande en Grande-Bretagne qu'elle ne l'est sur le continent. Elle est moins grande parce que les sanctions et la façon de fouiller les dossiers, de les faire remonter, que les gens soient multimilliardaires ou qu'ils soient en bas, est plus forte. Donc il faut encourager notre justice nationale à prendre les mesures très strictes pour forcer les gens à ne pas dissimuler, et quand on le trouve, à prendre l'argent. Je vais donner la parole à Olivier Delamarche. Juste avant, on voudrait souhaiter rendre un petit hommage à Denis Robert pour son enquête qu'il a réalisée sur Clearstream, un journaliste qui n'en veut, et qu'on va voir demain pour son avant-première sur un film qui résume son enquête. Olivier Delamarche, vous souhaitiez rebondir ? Oui, mais simplement, on a le problème principal, c'est qu'on n'a plus d'hommes d'État depuis De Gaulle, visiblement. On a des courtiers en scooter, on a des gens qui n'ont pas grand intérêt et qui sont à bien loin d'être à la hauteur des enjeux et de la crise actuelle. Donc tant qu'on aura des gens comme ça qui respectent tous le principe de Peter, hein, qui sont des incompétents placés là parce que on pense qu'ils feront moins de mal là où ils sont, et malheureusement je pense qu'ils font beaucoup de mal là où ils sont, on aura ce type de réaction. Pourquoi voulez-vous que ces gens-là augmentent le budget du ministère de la Justice alors qu'ils sont tous justiciables qu'ils risqueraient tous, si on appliquait les lois, la prison pour longtemps. Donc ils vont pas se tirer une balle dans le pied, tout simplement. Donc ils n'ont pas du tout envie que les choses évoluent comme ça. Ils sont bien tranquilles. C'est la nouvelle noblesse, hein, les politiques en Europe. C'est la nouvelle noblesse, c'est-à-dire qu'ils ont tous les droits, qu'ils n'ont absolument de compte à rendre à personne. Et finalement, ils vivent très bien et ils n'ont pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit qui les mettrait en risque. Dans ce cas, s'il ne faut pas compter sur les politiques pour divulguer ce type d'informations, est-ce qu'il faut plutôt compter sur des initiatives populaires ou des plateaux comme celui-ci pour divulguer de l'information
et avoir une vindicte populaire qui pousse la justice à amener les gens devant, à les mettre devant leur fait. De toute façon, vous êtes un petit peu comme en Islande. Vous êtes au courant quand même que c'est pas en regardant le journal de 20h que vous allez vous informer. On est bien d'accord. Donc, et c'est pas non plus en écoutant les discours de Pierre Moscovici ou d'autres. Bon, donc il y a quand même heureusement quelques petites choses qui nous font décoller du niveau zéro de la réflexion. Philippe ? Oui, moi, la vindicte populaire, à la fois, je la trouve parfois rafraîchissante, voire peut-être salutaire. Okay. Le problème, c'est qu'elle se manifeste souvent par une montée des extrêmes. Des gens qui, en fait, d'instinct comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on enfume, qu'on faisande, ils ne savent pas techniquement exactement comment les choses se passent. Ils ne savent pas qu'en 1990, derrière chaque député européen, il y avait 3 ou 4 lobbyistes. Aujourd'hui, il y a toujours environ 570 députés européens, il y a 15 000 lobbyistes. Ils agissent tous au nom d'intérêts financiers, hein, à part quelques ONG qui ont eu aussi quelques lobbyistes qui essaient de faire quelque chose. Et quand on regarde aujourd'hui la dissémination des pressions exercées sur les uns et sur les autres, on s'aperçoit que comme on a souvent mis au Parlement européen des gens qu'on essaie de recycler parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur propre pays, ils ne sont donc pas spécialistes. Et quand un grand spécialiste, grand avocat international d'un grand cabinet basé à Londres ou Luxembourg vient expliquer que voilà, la nouvelle loi que le Parlement de Bruxelles va essayer de faire passer, c'est pour un but qui, en fait, est évidemment de nuire quelque part à la collectivité et de servir quelques intérêts particuliers, les députés sont totalement perméables et il y a, évidemment, comme je disais tout à l'heure, aucun contrôle. En ce qui concerne là où on peut récupérer beaucoup d'argent, c'est évidemment dans les trous noirs de la fiscalité européenne. Les fameux LuxLeaks, ça veut dire quoi simplement ? Que le Luxembourg accorde à une multinationale eh bien, la possibilité de négocier un forfait fiscal pour les 18 ou 24 prochains mois. C'est parfaitement légal, c'est clean. Et je rebondis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de la loi Macron qui a été retirée concernant le secret des affaires ? Ah bah le secret des affaires, là, moi je pense sincèrement qu'on a effectivement bien fait. Enfin, il y a eu beaucoup de réactions qui arrivent effectivement, qui émanent aussi bien des médias que de gens qui ont un petit peu pris conscience de quoi il s'agissait. Ça veut dire que si cette loi passait, ça veut dire que n'importe quelle entreprise pouvait poursuivre n'importe qui au prétexte que ça pouvait nuire à la bonne marche de ses affaires. Mais tout simplement. C'est un petit peu une extension de TAFTA. Vous connaissez TAFTA ? Oui, mais je connais TAFTA, mais pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, véritablement. Non, c'est vrai. Les négociations restent secrètes. Par contre, la seule chose dont on est à peu près certain, c'est que ça va être fait pour que les entreprises aient encore plus de marge de manœuvre. Mais toutes les entreprises qui font appel à des grands cabinets, les Accenture, etc., ne font que ce que les lois locales permettent. Tout est clean, tout est légal. Ce que le Luxembourg a fait, c'est légal. C'est totalement indéfendable d'un point de vue moral, mais c'est parfaitement légal. L'Irlande, qui n'impose pas ou très peu les profits de Facebook, Apple, etc., c'est tout à fait légal. C'est-à-dire qu'une entreprise américaine fait transiter les flux de capitaux par l'Irlande où ils ne sont pas taxés, et l'Irlande ne taxe pas non plus parce que la décision de faire mouvementer les capitaux en Irlande a été prise aux États-Unis. Donc c'est pas moi, c'est personne. Et tout ça, c'est parfaitement légal. Donc le jour où on s'attaque à ça, effectivement, on avance. Mais imaginez quelle unanimité on va réussir à réunir entre multinationales pour accepter de se faire taxer de façon, on va dire, peut-être plus harmonieuse. Olivier. Ouais, j'avais envie de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc je réagis un peu avec retard sur des propos peut-être un peu généraux, mais
En général, quand on regarde des modes d'organisation de société, une grille d'analyse intéressante est de regarder comment elles s'organisent au niveau de la liberté et au niveau de l'égalité. On a vu un modèle de société qui était basé sur l'égalité, qui allait très très loin, faire faillite après 70 ans, dans les années 80, évidemment, le modèle communiste, qui ne marchait pas, même s'il y avait une vraie égalité dans la misère pour tout le monde. C'était le goulag pour tous, quelque part, pourrait-on dire. En tout cas, un modèle vraiment d'égalité. Bon. Là, on a l'impression... En tout cas, c'est cette impression que j'ai, ce qui n'est pas très optimiste, mais qu'on assiste à une faillite d'un modèle qui est basé sur une liberté absolue, qui tire ses racines déjà dans les années 60. Une forme de... on a l'impression qu'après la guerre, après que les sociétés étaient sclérosées, on a voulu la liberté, ce qui est bien normal, mais qu'on a un niveau un peu pathologique qui fait que la liberté devient absolue et écrase tout. Et c'est ce qu'on vit. Alors évidemment, si je veux de la liberté, ben je ne veux plus de réglementation bancaire, par exemple. Je veux faire ce que je veux. Je veux mêler mes activités. Je veux dire ce que je veux, peu importe les conséquences. Je veux aller m'occuper de ce qui se passe dans tel et tel pays, parce que je considère que mes valeurs sont supérieures. En tout cas, un modèle comme ça d'hyper-liberté, et qui, au final, quand on le tire, donne évidemment un modèle libéral qui prospère, mais aussi un individualisme. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus libéral qu'un individualisme forcené ? C'est-à-dire, je m'occupe de ma pomme et peu importe de ce qui se passe. Et ce qui est un peu désespérant, c'est ça, je trouve, qui marque aussi notre société avec les conséquences dont on parlait tout à l'heure. Olivier, tu disais tout à l'heure, le système a besoin de soupape quelque part avec les paradis fiscaux. Mais enfin, à la fin des années 40 aux États-Unis, le taux d'imposition sur le revenu est à plus de 90%. Le taux marginal. Quand Thatcher arrive au pouvoir fin des années 70, le taux marginal sur le revenu aux États-Unis et en Angleterre, il est de 70%. 70%. Aujourd'hui en France, il est de 45% à peu près. Donc on voit qu'on est déjà très loin de ce qui était perçu comme la norme de solidarité minimale pendant les 30 glorieuses. On voit qu'aujourd'hui on a l'impression, voilà, ça passe à 46, c'est le communisme qui arrive. Et quelque part, ça justifierait presque la fraude, tout ça. Donc ça montre bien qu'il y a un problème profond. Et finalement, si j'ai ces contraintes-là, ben, je vais voir des politiques aussi qui ne vont pas me chatouiller là-dessus. Un politique qui va me parler d'intérêt général. Il va pas avoir une audience très forte. Peut-être que ça aussi, ça joue dans ce qu'on vit actuellement. Alors bien sûr que le professionnalisme a un impact, mais enfin après tout, dans les années 60, on avait aussi une classe politique qui était assez professionnalisée. Ça n'empêchait pas d'avoir des politiques qui étaient des chefs d'État et qui nous tiraient assez haut. Qui n'avait d'ailleurs pas besoin de se mettre à 28 pays européens pour avoir une France qui illumine vraiment la planète entière. Donc ça, c'est un axe de réflexion. Tout ça pousse au fond à une société, on vous parlait tout à l'heure, sur le greedy, quoi. C'est 10 mois combien tu gagnes, je te dirai si tu as réussi ta vie, quoi. C'est ça. Avoir Macron qui nous dit, ah, il faudrait qu'il y ait plus de jeunes qui ont envie d'être milliardaires. S'il y en avait 2-3 qui ont envie d'être profs en banlieue, ça peut nous éviter des petits problèmes aussi dans les 20 ans qui viennent. Ouais. Et ça, on voit qu'on ne les trouve pas. Donc tout ça, c'est voilà, il y a un côté un peu déprimant. J'ai pas de réponse. Je regarde ça. Mais... Bon, tout ce qui est dit est juste. Il y a un effort à l'heure actuelle, à travers Paul Volcker, pour revenir à ce qu'ont été les valeurs fondamentales du métier de banquier, qui est ce que je connais. Hein, j'ai pratiqué pendant un demi-siècle. Et ces valeurs, c'était « connais ton client, agis dans l'intérêt à long terme de ton client » et pense à ce qui est bon pour la communauté à laquelle tu appartiens, tes clients, ta société, ton pays. Bon. Nous étions, il y a 45 ans, ayant travaillé avec les Américains, jugés spécifiquement sur la façon dont nous mettions en pratique ces valeurs. Bon. Alors, depuis, on a dérivé, et on a dérivé massivement. Et la réalité, c'est qu'un homme, Paul Volcker, essaye de revenir aux fondamentaux. Il essaye de dire aux banques américaines, le gouvernement vous a autorisé à avoir 3% de fonds propres, c'est-à-dire 3 euros de fonds propres pour 97 de crédit. Je vous recommande d'arriver à 7%. Il leur dit que les conseils d'administration devraient arrêter de donner des bonus de 5, 10, 15 millions d'euros ou de dollars à leurs dirigeants. Il leur dit, vous n'auriez pas le droit, vous ne devriez pas avoir plus de 3% de votre bilan à utiliser dans les opérations spéculatives.
Mon inquiétude pour l'avenir des États-Unis, c'est que ces recommandations de base et de valeur, en ce moment, ne sont pas entendues suffisamment aux États-Unis et partout ailleurs. Philippe, la réglementation Volcker. Ah, écoutez, c'est simplement revenir sur ce qui s'est fait de 96, 97, 98. Pendant que Bill Clinton était occupé à se débattre avec le Monica Gate, messieurs Robin, à l'époque secrétaire d'État au Trésor, Lawrence Summers et Alan Greenspan ont mis carrément, ont refondu complètement les règles de séparation des activités de banque d'affaires et de banque commerciale et de dépôt. On est revenu, on a annihilé les décisions prises en 33 ou 34, donc qui permettaient effectivement de sécuriser une partie, toute la partie en fait, dépôt des clients. Et de l'autre côté, la banque, si elle avait envie de chipiner un peu sur les marchés, bah, elle le faisait en fonction des fonds propres de la division banque d'affaires. Donc, Bill Clinton... Glass-Steagall Act, donc enterré. Bill Clinton a complètement laissé faire, le Congrès américain aussi a laissé faire, et on en est donc arrivé à des banques qui peuvent créer sans limite de la monnaie, avec le benign neglect de la Fed qui a dit « Toute demande de crédit que vous me soumettez, je vous donne l'argent ». À vous de voir si vos clients sont ou non solvables. Mais moi, Fed, je ne surveille que les banques qui sont sous mon radar. Et en ce qui concerne la crise des subprimes, ce sont des officines qui plaçaient des prêts et qui ensuite arrivaient à la banque en disant « Voilà, j'ai une pile de dossiers de gens qui voudraient bien un crédit. » Et c'est la banque qui, à ce moment-là, gérait le dossier. Et Le volume de produits dérivés cette année, c'est combien ? Ah, alors ça, c'est un autre domaine. On est revenu, je pense, à 750 000 milliards de dérivés, dont 70% sont des dérivés de crédit. 750 millions de milliards. Non. On va arriver à 1 million de milliards. On va arriver un jour à 1 million de milliards. Parce qu'avec l'argent que la BCE va mettre sur la table, effectivement, la courbe, si on la prolonge raisonnablement, on arrivera au 1 million de milliards à la fin de 2015. Ça, c'est pour l'anecdote. Les chiffres ne veulent plus rien dire. Alors après la phase de dérégulation clintonienne, ensuite la phase bushienne où on a décidé que les riches ne paieraient plus ou quasiment plus d'impôts ni au titre des revenus ni surtout au titre des plus-values. Finalement, on institue aux États-Unis un taux d'imposition de 15% puisque 95% des revenus des plus riches proviennent des revenus de valeur mobilière. Donc ça, c'était la deuxième étape bushienne. La troisième étape à laquelle on assiste maintenant est celle de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale massive, et où les entreprises, contrairement à ce qui se passait dans la période que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'on était jugé sur, quelque part, son patriotisme, aujourd'hui, une banque internationale, multinationale, elle a un terrain de jeu qui est la planète entière. Et vous avez UBS ou Crédit Suisse qui viennent chasser le millionnaire ou le milliardaire aux États-Unis pour lui proposer des solutions d'optimisation fiscale. Donc les banques aujourd'hui sont globales et bien sûr elles ont une vision globale de la fiscalité. Et la vision globale de la fiscalité, c'est qu'en mélangeant toutes les ficelles, on arrive à réduire le taux d'imposition en dessous de, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en dessous de 7 à 8 en moyenne. De la marche. Et de Hervé oui, avant. Hervé, juste un mot là oui, pour oui. dire que la situation est pire que ce que vous dites. Parce que la Federal Reserve essaye de remettre un peu de discipline et d'éthique, mais il s'est créé à côté des banques commerciales une industrie financière qui représente autant que le PNB américain, 23 000 milliards de dollars, qu'on appelle la banque de l'ombre. De Londres. Ça se passe aussi en partie. Ici l'ombre. Tout. Laissez terminer Hervé. Allez. Oui. La banque de Londres qui représente autant que le PNB américain et qui est florissant et contrôlé par personne. Donc le risque bancaire américain pur, les banques qui n'ont pas fait faillite,
s'améliore et le risque financier américain s'est, à mon avis, détérioré. Olivier ? C'est le même. C'est-à-dire qu'en fait, le shadow banking, il est fait par qui ? Il est fait par Goldman Sachs, par JP, par tout le monde. Donc, c'est une émanation des banques. Donc, de toute façon, le système bancaire américain, il est toujours plus en risque. Mais exactement comme... C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que il y a 2008 qui arrive, qui est un coup de massue sur le risque bancaire, qui aurait dû ouvrir les yeux aux dirigeants et au système bancaire, et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve 6 ans plus tard dans une situation qui est pire que la veille de 2008. Et tout le monde a l'impression que tout va bien, parce qu'évidemment, on vous vend des stress tests ridicules, on vous fait du marketing. On vous dit tous les jours que la BNP, c'est bien, qu'on a les meilleures banques possibles, qu'on n'a absolument aucun risque, nulle part. Or, c'est faux. On a plus de risques qu'avant. Et donc, est-ce que vous le voyez sur le VIX, M. Volcker fait tout ce qu'il peut, mais il a déjà fait tout ce qu'il pouvait déjà dès la fin de la crise de 2008. Enfin, après, dès 2009, il est arrivé en disant qu'il fallait refaire un Glass-Steagall Act, etc. Mais personne ne l'écoute. Hein, ça a été très probablement le meilleur banquier central qui ait jamais eu aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on préfère regarder le body language de Madame Yellen plutôt que les paroles de Monsieur Volcker. Beaucoup plus intéressant. Perrier. Oui. Olivier. Non, en effet, moi je partage cette vision assez... Enfin, il y a quelque chose d'assez désespérant de voir qu'on est passé finalement à côté du gouffre, hein, qu'on a... 2008, on a joué à la roulette russe, en fait. Hein. On a mis une balle, on a fait tourner les 7, on a tiré. Et puis maintenant, ils viennent vous dire, très bien, la roulette russe, regardez, on a joué, ça a bien marché, on recommence. Là, c'est ça. Et maintenant, on met 5 balles. Est-ce que c'est plus drôle ? Est-ce qu'il n'y a pas de leçons qui ont été tirées ? Moi, je pense qu'il y a plein de leçons qui ont été tirées. Les banquiers se sont dit, tiens... problème, si un PayPal, l'État va venir. Ou alors, la Banque centrale, maintenant qu'on la maîtrise bien, bah, va faire tourner éventuellement la planche à billets pour nous refinancer. Je veux dire, c'est vraiment, je répète, hein, c'est un modèle de fraude institutionnalisé, ce truc-là. Qui aurait dû réagir des gouvernements ? Bon, le gouvernement aux États-Unis, on sait bien qu'il est dans la main des banquiers. De toute façon, vous prenez les directeurs, les ministres de l'économie ou des finances aux États-Unis, la plupart du temps, c'est l'ancien PDG de Goldman Sachs ou c'est le futur PDG de Goldman Sachs. Chez nous, on a mis, Emmanuel Macron. Enfin, c'est des symboles qui sont assez étonnants. Je veux dire, on voit qu'on a des gens, bon, après tout, respectables. Je les accuse pas. Je veux dire, ils sont dans leur système. Je pense même parfois, de toute façon, on a eu cette déclaration de Goldman Sachs, hein, qui se prend quelque part. Il dit, moi, j'œuvre à la gloire de Dieu. Enfin, je fais le boulot de Dieu, en gros. Et je pense qu'ils pensent. Ils sont pas. Il y a une espèce de folie des grandeurs comme ça. Ça, c'est la cocaïne. Oui, bon, peut-être, mais en tout cas, avec des conséquences qui sont effrayantes. Parce qu'on est sur des montants. Qui sont gigantesques. Vous parlez tout à l'heure du montant des produits dérivés. Il faut savoir qu'en moyenne, le risque maximal est d'à peu près 10% du montant notionnel que vous citez tout à l'heure. Enfin, on voit que ça fait un risque et qui est au moins du niveau du PIB mondial. C'est 10 fois le PIB mondial, les encours. Je vais tout vous couper et je vais vous demander votre avis sur le traitement médiatique de ce type d'information. Donc là, nous, on est issus des réseaux, on est issus de l'Internet, on écoute les gens, on est vraiment plugués en intelligence collaborative. On a vraiment des remontées d'informations de toutes parts et du globe entier. Donc le traitement médiatique, je voudrais avoir votre avis, vous qui parcourez de temps en temps des plateaux télé. Donnez-moi votre avis. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les journalistes sont à la hauteur du problème qu'on va être obligé d'affronter ? Est-ce que pour vous, c'est une forfaiture, pas une forfaiture ? Est-ce que vous pensez, pour être trivial et un peu vulgaire, ils ont un pois chiche dans le crâne ? Ou il y a un responsable de rédaction qui est tenu un petit peu par les couilles, parce que son patron travaille dans la finance ou a des intérêts dedans ? Donc là c'est une question qui paraît un peu générique. Mais vous en pensez quoi ? C'est difficile. Alors, vous ne battez pas tous. Qui commence ? Je dirais que le traitement médiatique égale le traitement politique. Nous n'avons ni en politique, ni dans les médias, un nombre suffisant de responsables de terrain qui comprennent ces mécanismes.
quand on dit, comme on vient de dire, que la banque de l'ombre, c'est la même chose que la banque tout court, c'est inexact. Je vous le dis parce que je suis dans la banque de l'ombre et je l'ai financée. C'est des milliardaires, des gens qui ont 5, 10, 30 milliards de dollars à leur disposition, qui travaillent dans, avec des entités sans passer par les banques. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Donc je dis que d'abord, c'est un sujet qui évolue tout le temps. Ensuite, c'est un sujet technique complexe. Enfin, les vraies informations sont détenues par les banques centrales qui ne les diffusent très peu. Et ça demande de fouiller en profondeur ce qui se passe à l'intérieur des banques et dans le financier mondial. C'est un appel au hacker que vous faites, là ? Oui. D'accord. Juste une question, c'est que pour moi. Avec tous ces milliardaires, là, comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui se transforme un petit peu en Batman ? Hein ? Pourquoi il n'y a pas un milliardaire qui décide un petit peu de rendre justice ? Non ? Non. Si c'était sa philosophie, il ne serait jamais devenu milliardaire. En fait. Voilà. Faut être Olivier. Non, mais là, moi, je remets quand même le truc sur le tapis. Je suis absolument désolé, mais il y a quand même une bonne partie du shadow banking. C'est les banques qui l'organisent, avec les hedge funds, avec des trucs qui sont basés dans des paradis fiscaux et qui sont des montages. Alors, je veux bien qu'à l'origine, vous ayez un milliardaire, sauf que le milliardaire, il appelle son pote de chez Goldman Sachs et qui monte une petite combine. Et quelque part, si Goldman Sachs fait partie des émetteurs de ces produits, etc., le risque, il est bien porté par la banque à un moment ou à un autre. Donc, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas tellement de séparation entre les banques et les shadow banks. Ça, on imagine bien que ça doit être une conjonction d'intérêts. Voilà. Sur les médias, je serais assez d'accord avec Hervé. Il y a un vrai souci, c'est que c'est pas tellement les médias. Finalement, le journaliste, il est là pour animer un débat ou autre. Ce qui est catastrophique, c'est les soi-disant experts qu'on voit défiler, les messieurs Pigasse, Attali, etc., qui viennent vous dire des bêtises, mais qui sont... C'est d'un niveau tellement bas que c'est juste catastrophique. Or, ces gens-là conseillent les politiques en permanence. Hervé. Alain Minc, Attali, Dominique Strauss-Kahn, tout ça, c'est des gens qui, en permanence, conseillent des États, conseillent des politiques, alors qu'ils ont un petit poil dans la tête. Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui Hervé de Carmois, qui a un pied aussi dans la commission trilatérale et qui est censé conseiller les dirigeants. Hervé, qu'est-ce que fait la commission, mis à part se réunir sans nous inviter ? La commission trilatérale a, dès l'origine, elle a 35 ans d'âge, créée par David Rockefeller, Georges Bertoin et un grand japonais, pour résoudre et gérer les tensions entre l'Amérique, l'Europe et le Japon. C'est ça l'origine. Conflit d'intérêts. Vous voulez libéraliser toutes les exportations en dollars, nous, Japonais, on n'en veut pas. Et donc, on a passé des années à trouver le moyen de... Vous voulez supprimer les contrôles bancaires aux États-Unis, nous, on ne va pas faire de même en Europe. Vous avez encore des sentiments mitigés à tonalité très négative envers les Russes. Nous, Européens, on a une vue des Russes un peu différente et on pense qu'il y a manière et matière à négociation. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous discutons de nos conflits, j'allais dire, liés à notre passé, à notre position, à nos ressources. Bon. En matière financière, nous sommes séparés des États-Unis. Parce que nous n'avons pas besoin des États-Unis pour trouver des dollars. Hein. On en trouve à revendre. Donc, on a beaucoup moins besoin d'eux. On a besoin d'eux dans quoi ? On a besoin d'être informés. Et là, les services de renseignement bancaire et les services de renseignement tout court entre les Européens et les États-Unis
marche très bien et en profondeur et limite certains risques. Mais il y a des renseignements sur des individus qui font du rocambolesque financier, ce qui est la caractéristique des 10 dernières années, qu'on ne nous dit pas, que nous apprenons quand la bulle éclate. Madoff a pris Madoff, 60 milliards à des Européens et Américains, à des particuliers, les Américains ne nous ont à peine prévenus. Hein. Donc, c'est une relation de rapport de force. Et notre rapport de force, parce que nous ne savons pas être unifiés au point de vue politique en Europe, nous sommes dans un état de faiblesse par rapport aux États-Unis. Mais la commission trilatérale, vous ne voulez pas la changer en commission quadrilatérale en ajoutant un peu plus Internet ? Non. On a déjà beaucoup de peine. On a fait entrer la Chine. Hein, et à le nombre de différences de point de vue entre Européens, Américains, Japonais, Chinois, sur les questions de géopolitique, comment traiter la Russie, que faire avec le pétrole, comment éviter que des grands pays en voie de développement, du fait de l'augmentation du prix du dollar, ne se trouvent en difficulté grave, nous avons beaucoup de peine avec eux. Les Américains ne s'intéressent pas énormément aux Européens. Ils ne souhaitent pas parler avec l'Europe. Ils aiment les dialogues individuel avec tel dirigeant, avec tel groupe, mais ils ne s'intéressent modérément à l'Europe. Donc notre influence sur les États-Unis est moyenne. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'armée. Et ça, il faut quand même reconnaître que l'élément central de la culture américaine, c'est l'armée. C'est à travers l'armée qu'ils intègrent toutes les populations. C'est à travers l'armée. Je ne sais pas si intégrer est le bon mot. Désintégrer, souvent. Oui, désintégrer ou vaporiser. Olivier ou Philippe ? Philippe, le premier qui prend le micro à la parole. Ben, je vais rebondir sur la question initiale qui était et les médias dans tout ça, font-ils leur boulot ? Alors, la question, elle est évidemment complexe à plusieurs niveaux. Alors, d'abord, supposons que nous ayons affaire à des journalistes honnête, ce qui est la moindre des choses, il faudrait aussi qu'ils aient la compétence pour investiguer dans le domaine où on leur demande d'aller creuser un peu. Or, très très vite, un journaliste honnête, intègre et efficace, un Robert par exemple, il se heurte immédiatement à ce mur d'opacité. L'opacité sur le clearing qui se fait au Luxembourg, l'opacité des comptes de la Fed qui ne publie plus la masse monétaire déjà depuis 5 ou 6 ans, opacité totale de la Fed en ce qui concerne ses stocks d'or. Personne ne peut, depuis 30 ans, savoir ce qu'il y a dans les coffres à Fort Knox ou à New York. Aucun congressman américain n'a jamais obtenu l'autorisation d'aller investiguer pour savoir ce qu'il y a vraiment dans les réserves de la Banque centrale américaine. Alors, quel journaliste pourrait y parvenir, puisque même l'homme politique qui a le plus haut grade, on va dire, même le chef du Congrès américain ne peut pas aller avec une commission d'enquête dire « bon voilà, maintenant la Fed, faut qu'elle soit transparente, il faut qu'on sache ce qu'il y a ». La Banque centrale, la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, en quelque sorte, qui gère 70% des mouvements de capitaux dans le monde, de temps en temps, elle publie, parce que ça fait partie des choses qu'elle rend publique, elle publie par exemple l'encours des dérivés. C'est pour ça que je peux vous citer un chiffre de 750 000 milliards. Par contre, on ne sait pas exactement quel est le risque que court chaque banque individuellement. Alors on sait grosso modo que la Deutsche Bank aurait quelque chose comme 52 000 milliards d'encours, c'est-à-dire 30 fois le PIB de l'Allemagne. On sait que quelques banques ont des leviers absolument phénoménaux, mais on ne sait pas exactement en quoi consistent ces encours, ni quel est le risque associé. Donc pour un journaliste, c'est vachement difficile d'aller chercher l'information parce que les banques centrales elles-mêmes sont totalement opaques et parce qu'il n'y a aucun moyen politique d'obtenir de ces banques centrales, qui sont totalement indépendantes, la moindre information. Donc on est mal parti. La deuxième chose, les médias, à qui appartiennent-ils ?
aux États-Unis, naturellement. Bon, l'exemple le plus flagrant, c'est Fox TV, avec des journalistes caricaturaux comme ceux qui prétendent qu'à Paris, il y a des zones d'endroits ou des zones musulmanes où on ne peut plus aller. On a d'autres groupes comme Liberty Media qui possèdent plusieurs journaux. Là, on a affaire à des gens qui comprennent bien comment fonctionne le système, enfin, les propriétaires. En France, qui aujourd'hui possède Le Monde, hein, c'est un trio, Niel, Pigas. Et là, on découvre aujourd'hui que l'Express, l'Expansion, c'est finalement Patrick Drahi qui met à la tête son banquier d'affaires de chez Morgan Stanley, qui va donc prendre la tête donc, de l'Express, Expansion, I24, la chaîne d'information en temps réel. Donc vous voyez quand même que l'information, aujourd'hui, elle est bien sous le contrôle de gens qui comprennent très très bien quel est le système, comment il fonctionne. Est-ce que ces gens-là vont recruter des journalistes pitbull qui vont aller creuser pour savoir comment se pratique l'évasion fiscale en Europe, comment les banquiers prennent des leviers pas possibles, etc. Il est évident que là, il faudrait vraiment croire que ces gens ont un amour immodéré pour la transparence et pour l'information au sens noble du terme, de dire j'achète un groupe de presse pour que ces gens-là fassent vraiment leur métier et dévoilent au peuple comment les choses fonctionnent vraiment. Allons-y. Rassure-toi, ils étaient tous à la manif pour la liberté d'expression, en revanche. Olivier ? Oui, pour rebondir, moi j'ai interviewé un ancien ministre du budget. On veut des noms. peu importe. Mais il y a une jolie phrase sur notre modèle politique. Est-ce que ça sentait le sapin ? Non, ça ne sentait pas le sapin. C'est un peu plus compétent que ça, quand même. il a dit finalement en France, la France est le système politique français est une monarchie élective influencée par une oligarchie discrète. Si on regarde, c'est assez juste. On nous voit démocratie, on sait très bien qu'en 2017, in fine, vous allez avoir un candidat de l'UMP, contre le candidat du PS, il y aura peut-être un Marine Le Pen qui assurera la victoire d'un des deux directement, ce qui revient à peu près au même. Donc on voit déjà que le modèle de sélection est assez biaisé. D'ailleurs, on connaît à peu près les candidats, ce qui est assez désespérant en termes de retour vers le futur. Donc voilà, on a un vrai problème déjà de représentativité démocratique à ce moment-là. En plus, avec tout à l'heure, Philippe a parlé de monter des extrêmes dans ce qu'on vit, mais enfin, des extrêmes, on y est aussi déjà. Quand on s'assoit sur le référendum de 2005, il faut être sacrément extrémiste pour faire ça. Quand on dérégule tout le système bancaire, est-ce que tout à l'heure, Philippe, tu parlais de Clinton qui, en 99, avait dérégulé les banques en supprimant le fameux... Laissez faire. Mais pourquoi ? Parce que les banquiers américains disaient aussi en partie « Hey, ça fait 15 ans qu'ils sont dérégulés en France. » Eh oui, la France, c'est le premier pays au monde à avoir dérégulé ses banques, 1984, hein, fin de la loi bancaire de 1945. Donc on voit qu'on est dans des systèmes comme ça qui sont extrémistes sur plein de points. Enfin, il y a des millions de chômeurs, on nous explique que maintenant, il va falloir travailler plus sans être payé. Bon, enfin, ce qui, même pas socialement, enfin, est délirant du point de vue économique. Parce que déjà, du travail, il n'y en a pas pour 4 millions de personnes. Donc si vous ne les payez pas, il n'y aura personne pour acheter ce qu'on produit. Enfin, on a des idées qui sont aussi extrémistes. Hein, extrémistes, et pas que d'un côté du champ politique. Et la deuxième réflexion qui m'était venue, c'était une réflexion de Noam Chomsky, qui travaille beaucoup sur les modèles de propagande et qui disait que la propagande est aux démocraties ce que la matraque est aux dictatures. Parce que bien évidemment, en dictature, on ne pose pas trop de questions. Celui qui n'est pas d'accord, en fait, on lui tape dessus. En démocratie, ou en semi-démocratie, situation dans laquelle on est, en tout cas en non-démocratie libérale, on pourrait dire aussi, ce qui est très heureusement très différent d'une dictature, il va falloir arriver à façonner l'opinion publique pour que les gens, aux États-Unis, les 99% de la population qui se font tondre, il faut qu'ils acceptent. Donc, somme toute, ça ne se fait pas tout seul. Alors, bien sûr, il n'y a aucun complot, hein, faut pas rentrer dans ces phases-là, mais comme le disait Philippe, il y a une espèce d'entre-soi dans des médias qui sont extrêmement limités en nombre. Enfin, comme on le dit, c'est quand même fou. Enfin, tous nos médias sont la propriété de 5 ou 6 milliardaires. En plus, les milliardaires, ils savent faire. C'est normalement, ils investissent dans des boîtes qui marchent. Putain, ils investissent tous là dans des boîtes qui ne marchent pas. Il faut vraiment avoir un amour de l'information qui est quand même à saluer. Et puis, c'est étonnant, une fois qu'ils ont ces médias, les médias sont quand même vachement moins critiques sur le système qui permet justement à des milliardaires d'acheter le système démocratique. Voilà, donc au final, on a une forme de cloisonnement, une forme de plutocratie
qui, à mon avis, se masque derrière une pseudo-démocratie. Finalement, c'est quoi l'enjeu? C'est pour savoir en 2017 si on aura comme ministre de l'économie encore François Baroin ou Emmanuel Macron. C'est ça la différence politique? Ouais, on peut choisir entre les deux. Je rappelle, François Baroin, c'est égal UMP. Je précise parce que sinon, on ne sait pas trop. Hein, c'est pas Macron, on pourrait le croire. Donc c'est assez désespérant. Et au final, on a en effet des journalistes qui sont... qui ont aussi beaucoup changé sociologiquement. On est loin du modèle journalistique des années 70. Hein. C'était quoi? C'était vraiment quelqu'un qui avait un niveau assez moyen, mais qui était baroudeur, qui en voulait, qui buvait. Hein. C'était les Hemingway, machin, les gens qui allaient creuser. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a, si c'est possible, fait une Sciences Po en province, et puis qui se dit, tiens, je vais aller là-dedans, surtout. Pas trop faire de vagues, parce que quand j'en fais, en plus, la hiérarchie me fait savoir que c'est pas très bien, puisque sans la hiérarchie, passe son temps au siècle à dîner dans un entre-soi qui est vraiment très étonnant. C'est vrai que la question, c'est pourquoi finalement on se laisse faire? Pourquoi on accepte d'avoir aussi peu, tout de même sur la partie information, on pourrait exiger des choses plus offensives? Et on arrive dans une situation qui est quand même assez paradoxale. On a la génération vraiment du peuple, de l'histoire, la mieux éduquée. Ah, bonté divine, quand même, la proportion qui a fait des études par rapport à il y a 50 ou 100 ans, où on avait des paysans incultes, on arrive à voir une population vachement éduquée qui finalement a un système politique qui est désespérant. Enfin, je rappelle qu'il y a un siècle, il y avait du Victor Hugo, du Lamartine, du Jaurès, du Clémenceau à l'Assemblée. Ils n'étaient pas forcément représentatifs de l'ensemble de l'Assemblée de l'époque, mais en tout cas, au moins, ils étaient là. Bon, aujourd'hui, Nadine Morano, Harlem Désir... Non, mais il y a un vrai sujet aussi. Pourquoi on en arrive là? Parce que mine de rien, effectivement, ça fait rigoler, mais c'est quand même eux qui pilotent le système. Au final, François Hollande pilote la France. Hein, et pour le coup, dans un système qui est sans doute le système en France où le président a le plus de pouvoir. On voit qui décide de tout. On voit qu'on a reconstitué finalement Louis XV, où il bosse quand il a envie, quand il n'a pas envie, on se demande avec qui il est. Voilà, enfin, c'est quand même des questions qui sont... Bon, qui sont vous nous avez rhabillé les politiques et les médias pour l'hiver, c'est très bien. Maintenant, il fait froid en ce moment. On va passer aux solutions. Je vais vous demander à chacun, on va vous demander à chacun d'essayer de nous proposer des solutions. On commence par Hervé. Ah, juste avant Hervé de vous lancer là-dessus, je voudrais entendre les investissements aux États-Unis. Où ça en est, là? Les investissements aux États-Unis. Bon, alors, il y a un domaine où ça décroît massivement, qui est celui de l'innovation. Hein. L'innovation aux États-Unis, depuis 8 ans, est passée dans le privé de 100 milliards de dollars à 15 milliards de dollars l'année dernière. L'innovation financée par le public était égale à 100 milliards il y a 8 ans, 50 milliards aujourd'hui. Donc on peut dire que l'investissement baisse. Donc c'est, de ce point de vue-là, c'est préoccupant. Jamais il n'y a eu autant d'argent disponible se trouvant aux États-Unis dans différents fonds pour investir. Et le contraste est saisissant. Nous avons des responsables financiers d'affaires qui sont assis sur des fortunes qui vont de 5 à 100 milliards de dollars et qui sont assis dessus. Et qui, moi, j'étais à une réunion d'entre eux. Il y en a qui parlaient en France au 18e siècle de leur quartier de noblesse. Eux parlent, leur quartier de noblesse, c'est dans quelle tranche de dizaines de milliards ils se trouvent. Hein? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer à accumuler? Donc nous avons là un ralentissement de l'investissement le plus difficile. L'investissement immobilier reprend, parce que c'est la base, c'est comme ça qu'on attire toute cette population qui vient immigrer aux États-Unis, ont des facilités colossales pour emprunter par crédit hypothécaire. On leur fait toute série de facilités et on leur fait rêver que dans 30 ans, l'appartement qu'ils ont ou la maison qu'ils ont acheté pour 150 000 dollars en vaudra 500 000. Donc, ralentissement de l'investissement difficile, investissement massif des grandes unités américaines dans le monde entier, financiarisation à l'extrême. Voilà.
Juste avant de passer à la recherche de solutions, si on en trouve, j'aimerais juste avoir une petite vulgarisation pour monsieur tout le monde. Quand on parle de Mario Draghi, gouverneur de la BCE, qui parle d'injecter 1000 milliards, ce qui représente à peu près, jusqu'en 2016, je crois, ça fait 2 milliards par jour, quelque chose comme ça. 140 c'est 60 000. Milliards par mois. Voilà. Donc 2 milliards par jour, le compte est bon. Donc, ouais. Concrètement, hormis une inflation, qu'est-ce que ça va représenter pour le Pékin lambda ? Rien. Ou très peu. Parce que le Pékin lambda serait impacté si les banques qui vont prendre cet argent ou le recevoir étaient disposées à l'investir. Et pourquoi est-ce que les banques investissent moins ? Eh bien, je vous pose la question pour une raison qui... Il y a trois raisons. La première, c'est que pour investir et créer des emplois, il faut des entrepreneurs, ils foutent le camp. Et par centaines, rien qu'en Belgique, il y a 500 entrepreneurs français qui sont arrivés depuis 3 ans. Hein ? Renvoyez-les-nous. 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 Vous les mettez dans un bus, des autocars, ça va marcher. Moi, je fais un autocar Paris-Bruxelles avec Macron et vous nous les renvoyez. Ah, mais avec Macron, je suis tout à fait prêt à vous aider, mais je ne peux pas le faire tout seul. Bon, il y en a plus encore qui sont partis aux États-Unis, en Angleterre et quelques-uns en Suisse. Bon, donc, voilà le point qui achoppe le plus. Mmh. OK. Vous parliez ce matin de 40 milliards, près de 40 milliards que la France devra rembourser pour payer la dette grecque. Oui, ça c'est ce que... elle a une dette. Mmh. Et penser que la Grèce va rembourser à la France 40 milliards, ça me paraît un optimisme... Alors là, c'est le banquier qui vous parle. Hein. Je veux dire que c'est un optimisme délirant. Ils ne peuvent pas. Hein. Il faudrait qu'ils repensent leur économie, qu'il y ait des abandons de créances, qu'il y ait tout ça. Et tout le monde lutte pour qu'il n'y ait pas tout ça. Donc la solution pour la Grèce, je ne l'ai pas. Hein. Mais monsieur Pigas, là... Ah, ben. Il a dit, il ne faut pas rembourser et de toute façon, ça n'a aucune conséquence. Voilà, donc M. Pigas a la solution. Vous ne remboursez pas la personne qui vous a prêté de l'argent et ça n'a aucune conséquence. Donc sachez-le, aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent peuvent aller voir leur banquier en leur disant « je vous dois 2 millions d'euros ». M. Pigas a dit que ça n'avait aucune conséquence parce que c'était dans votre bilan. Donc, je me permettrai de ne pas vous rembourser, tout va bien. Voilà, Monsieur Pigas a toujours une solution, une bonne solution. Béchade. L'affaire grecque est extrêmement stressante pour l'industrie financière, pour les gouvernements. Rendez-vous compte tenu de son degré de séniorité, si on faisait un haircut de 50% sur la dette grecque, ça pourrait coûter au final environ 20 milliards, peut-être 27-28 à l'Allemagne. Il y a quelques jours, la Banque centrale annonce qu'elle va injecter donc 60 milliards par mois pendant jusqu'au mois de septembre 2016. Alors je dis bien le pendant, c'est pour rire. Parce qu'au départ, il y en a qui ont pensé que c'était 1080 milliards qui seraient injectés. Ah non, mois de septembre 2016 inclus. Ah, bing ! Ça fait pas 1060, ça fait 1140. Poup, 60 milliards de mieux. Mais ces 60 milliards de mieux, ils sont arrivés comme ça, plouf, c'est cadeau, voilà. On peut éteindre la dette grecque du jour au lendemain. Ces 60 milliards de plus que la BCE a mis sur le tapis, ça éteint la dette grecque complètement. Enfin, on est en train de se faire des nœuds aux neurones en ce moment avec une histoire qui ne devrait même pas poser de questions. Pourquoi est-ce que on devrait continuer de faire croire que la dette grecque sera remboursée ? On sait bien depuis le départ qu'elle ne le sera jamais. Et moi, j'ai un exemple dans l'histoire qui est merveilleux, qui était la faillite de Lowe au début du XVIIIe siècle. Hein, je pense que c'était entre 1715-1720. Alors, on a créé de la monnaie, beaucoup, beaucoup de monnaie, dont l'essentiel était en fait des titres de la Compagnie des Indes. Et cette Compagnie des Indes émettait de la monnaie sur de la richesse future à créer.
richesse qui évidemment n'est jamais arrivée, surtout qu'après ça on a largué la Louisiane, on l'a revendue, mais au départ on a fait croire qu'il y aurait à la sortie de l'argent qui permettrait de rembourser, de faire face à la monnaie créée. Alors en fait le deal c'était le suivant, vous amenez votre or, vos pièces d'argent et on vous donne de la monnaie papier sur de la richesse future à venir. Le jour où le système de l'eau fait faillite, s'écroule, là on a eu très très chaud. Parce que il y a eu des morts à Rue Cacampois, ça cartonnait devant la banque de Monsieur Lowe, ça chauffait. Et qu'est-ce qu'on a décidé ce jour-là ? On a décidé un truc incroyable, inconcevable à notre époque. On a décidé de rembourser les pauvres, ceux qui avaient amené quelques pièces d'or et qui, à un moment, se sont crus riches et puis d'un seul coup, qui ont failli ne plus rien avoir. On a remboursé les pauvres. Si jamais on avait fait ça avec la Grèce dès 2010, mais il n'y aurait plus de soucis d'aucune sorte. On aurait simplement fait jouer une sorte de solidarité ou une sorte de sens de la réalité sociale et on aurait complètement éteint la dette grecque comme on a remboursé les pauvres. Les Grecs aujourd'hui jouent ce rôle des pauvres de 1720. Et les Portugais aussi. Hein. Et les Portugais, etc. Et donc, les Espagnols. Donc là, on est de nouveau dans ce principe moral de l'égoïsme de chacun pour soi, de l'individualisme. Je vous coupe, et là ça n'a rien à voir, ça vient d'avoir un éclair de lucidité. Hervé, vous me parliez de vos réunions avec les uber riches, les ultra riches, alors sans briser le secret des dieux, est-ce qu'ils s'organisent et est-ce qu'ils sentent un petit peu l'histoire se répéter avec une révolte, avec des gens avec des fourches en bas de chez eux? Est-ce qu'ils s'aménagent un plan B, loin de tout le monde, avec une milice privée ou de choses comme ça? Et des pièces d'or. La réalité de ces gens-là, c'est qu'ils sont à l'abri. Pour les Américains, jamais un gouvernement américain ne va dire à quelqu'un « Vous avez 47 milliards de dollars ». Dans différents paradis fiscaux, vous les avez déclarés et vous les conservez. Non, et vous nous en donnez une partie pour aider les autres, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait, à l'heure actuelle, on a parlé tout à l'heure de l'égalité, on a parlé de la liberté, hein, cette accroissance de la liberté. Il n'y a pas de par le monde que très, d'une façon microscopique, d'augmentation de la fraternité. Hein. Et ça, avec les plus démunis, ce sentiment est très faible et n'intéresse pas les Américains. C'est contraire, ils ont beaucoup de dons, ils ont un dynamisme fantastique, ils veulent créer de l'argent et ils laissent aux individus le soin d'en donner selon leurs préférences. Moi, ma meilleure amie est une femme qui a 150 millions de dollars, qui, depuis 15 ans, consacre cette somme aux chiens malades. Hein? Donc, voilà, c'est sa liberté, c'est son argent, elle a le droit d'en faire ce qu'il faut, mais l'idée de solidarité et de fraternité est très faible. Donc, je pense que là, nous n'avons pas beaucoup d'espoir. Non, en fait, ma question, je me suis mal exprimé, ma question portait sur le fait, est-ce que la peur d'une révolte sociale à grande échelle les anime et est-ce qu'ils préparent un plan B pour une exfiltration d'une ville ? Je pose cette question, quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est la police privée de Google, payée par Google en Californie, a une consigne qui est un plan d'évacuation des salariés spécifique à Google. Donc, si une révolte se passe là-bas, la police a pour ordre d'évacuer le personnel de Google. Donc, ma question était, est-ce que la peur commence à arriver? Mais c'est évident qu'ils prennent tous des mesures. Hein? De quel type ? Oh ben ils ont leur police personnelle, ils ont leurs avions personnels, ils peuvent partir en quelques heures pour le Canada qui est infiniment plus laxiste dans tous ces domaines que d'autres pays, bien sûr. D'accord. On passe aux solutions.
Oui, j'aurais juste aimé faire un petit point sur la Grèce, le parti Syriza, et justement, puisque vous me parlez de la Grèce il y a quelques instants avec la partie dette, le fait que deux des responsables de la partie économique partent à Londres, à la City, rassurer les marchés en expliquant que ce qui avant a été des promesses de ne pas rembourser au niveau des promesses électorales, finalement, ils vont quand même rassurer les marchés derrière en disant « non, ça va bien se passer ». Parce que c'est une arnaque, en fait. C'est Hollande qui dit « mon ennemi, c'est la finance » et qui va à Londres juste après pour vendre sa soupe. C'est du marketing. C'est uniquement du marketing. Absolument. Donc voilà, ils ont dit « haro sur l'Europe, sur on ne remboursera pas la dette » et la première visite qu'ils font, c'est aux banquiers de Londres. Voilà. Donc, mais c'est... ce qui est étonnant, c'est que ça vous surprenne. Personnellement, ça ne me surprend pas. C'est du marketing, c'est le principe de marketing, c'est tout. Très succinctement, des solutions, on commence par Philippe. Philippe, est-ce qu'on réinvente le Freedom Razor? Je pense que l'Amérique reste aujourd'hui le pays leader. Donc, je vais faire une évocation à laquelle, évidemment, je n'accorde strictement aucun crédit dans le sens où je suis absolument convaincu que ça ne se réalisera jamais. Mais je donne la parole à Barack Obama, qui a fait une proposition tout récemment, début février, qui était de dire aux multinationales américaines: vous qui avez 150, 200 filiales dans des paradis fiscaux, bon, je sais peu ou prou ce que vous avez délocalisé comme profit, on arrive à le mesurer hein, néanmoins, et moi je vous propose un deal. Alors, soit tout ce que vous avez à l'étranger, que j'ai estimé par recoupement, etc., je le taxe à 14%, et vous allez continuer à déplacer votre argent entre Dubaï, Singapour, le Luxembourg, l'Irlande et tout autre paradis fiscal qui vous convient. Mais je vous prends quand même 14% forcément. Voilà. Ou autre deal, vous rapatriez tous ces profits. Colossaux, hein. Apple, c'est 180 milliards, Facebook, ça va être dans les 30. Enfin, il y a des sommes colossales à rapatrier. Et je vous fais quelque part une sorte de package, d'amnistie fiscale, en quelque sorte. Vous ramenez votre argent aux États-Unis et je vous taxe ça à 19%. Et ensuite, vous êtes tranquille aux États-Unis. On va trouver d'autres arrangements. Mais ce que je retiens surtout dans cette proportion de 14% ou de 19% que propose Obama, c'est de se dire que finalement, est-ce que la fiscalité acceptable à l'échelle planétaire se situerait pas justement entre ces 14% et ces 19%? Parce qu'aujourd'hui, avec un taux d'imposition de 8% en moyenne des multinationales du S&P 500 ou de l'Euro First ou de l'Eurostox 600, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun État qui peut vivre. Les États sont privés de ressources, donc tous les États vivent en fait au-dessus de leurs moyens, non pas parce qu'ils font plus de folie qu'il y a 7 ou 8 ans, mais simplement parce que depuis 7 ou 8 ans, depuis qu'on a réinjecté de l'argent dans le système et que les entreprises se sont reconstituées des trésoreries et des capacités bénéficiaires extraordinaires, eh bien, on voit que les multinationales ont complètement externalisé leurs bénéfices et ne payent plus d'impôts dans les pays. Donc, est-ce que... Donc, homogénéisation de la fiscalité. Homogénéisation de la fiscalité, mais quand même... 14%, c'est quand même juste deux fois aujourd'hui ce que paient les entreprises. Mais avec ces 14%, il n'y a plus de déficit nulle part. Et on réduit les 50 millions de personnes aux food stamps. On les réduit des deux tiers très rapidement, par exemple. Olivier Delamarche. Alors, je pense que s'il a proposé ça, c'est qui sait que ça va pas passer, puisque les républicains, évidemment. C'est toujours gratuit et ça ne sert pas à grand chose. En plus, soyez sûr que les entreprises vont pouvoir détourner la chose en rachetant leurs propres actions, et donc c'est pas très compliqué de passer à côté. Je vais rebondir d'ailleurs sur ce que disait Hervé il y a quelques minutes à propos de l'investissement, et c'est ça qui est gravissime, parce que c'est
C'est l'avenir. Aujourd'hui, les entreprises n'investissent plus. La seule chose dans laquelle elles investissent, c'est leurs propres actions, parce que on leur donne de l'argent gratuitement d'un côté, et donc il est assez facile de les placer avec un rendement qui est de 3,5 ou de 4, qui est le dividende, tout simplement. Hein. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable, ça fait monter les actions, donc ça enrichit le patron de la société, donc tout va bien. Donc, enfin, les principaux actionnaires de la société, donc tout va bien. Sauf que ça vous obère l'avenir. Quand il n'y a plus d'investissement en recherche, qu'est-ce qu'on va produire demain, après-demain et après-après-demain ? Je pense que tous les pays, ça se passe à peu près dans tous les pays. Alors, c'est exacerbé aux États-Unis parce qu'ils ont ce système qui permet aux entreprises de racheter leurs propres titres. Je vais vous donner une petite idée. C'est en 2014, c'est 750 milliards de dollars quand même. C'est pas rien. Hein. Donc ça fait beaucoup d'argent. C'est l'équivalent du QE de la Banque du Japon. Le QE de la Banque du Japon. Voilà, un quantitative easing. Et tout ça, c'est du rachat d'actions. Alors d'ailleurs, ça sert à camoufler les résultats. Hein. Vous avez des résultats qui sont mauvais, mais si vous diminuez le nombre d'actions, évidemment, ils s'avèrent bons. Et ça, c'est vraiment un problème parce que c'est un problème sur le long terme. Donc il faudrait... je pense qu'on peut, on pourrait assez facilement régler ça avec la fiscalité. Simplement pousser les entreprises à investir avec une fiscalité plus faible lorsqu'elles investissent pour l'avenir, plutôt que quand elles dépensent leur argent à acheter bêtement leurs actions. Je pense que là, on pourrait matraquer fiscalement et que tout ça les dirigerait dans le bon sens. Donc il y a des choses à faire, mais malheureusement qui ne sont jamais écoutées. Volcker a donné quelques pistes. Il faudrait en effet séparer les banques d'affaires et les banques de détail. Il faudrait réguler un petit peu plus la folie financière, arrêter la comptabilité créatrice qui permet... De faire apparaître des profits là où il y a des pertes et malheureusement essayer de parce que ça j'ai des doutes sur le fait que ça se passe, il faudrait qu'on trouve quand même quelques politiques qui soient au niveau, ça serait bien et malheureusement ça je pense qu'on va avoir du mal. On pourrait aussi faire sauter l'ENA, ça serait intéressant, parce que là, vraiment, c'est juste catastrophique ce qui sort de cette institution. Donc, les faire sauter, non, mais les bombarder au LSD. Voilà, par exemple. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais arrêter aussi de vendre des histoires complètement idiotes, du genre un jour la Grèce remboursera, on se fiche de ne pas rembourser une dette parce que c'est pas grave, etc. Tout ça, il faut en finir, et il faudrait informer les gens, les éduquer, de façon à ce que quand ils mettent leur bulletin dans l'urne, ils ne fassent pas de bêtises et ils ne nous les élisent pas des coursiers en scooter. Hervé, des solutions, et le mot de la fin sera réservé pour Olivier Berruyer. Hervé. Qu'est-ce que je retire de cette discussion pour la France, hein, pour notre pays? Une chose certaine, c'est qu'il faut privilégier les entrepreneurs et ne pas les chasser. Il y a des centaines, sinon 1500 entrepreneurs français qui sont partis. Alors, il y a une suggestion énorme, hein, de louer des bus pour les ramener en France. Donc, je m'y associe. Je voudrais compléter cette suggestion pertinente en disant que nous devons arrêter, nous, Français, de penser que s'enrichir, c'est mauvais. Nous avons fait nôtre une phrase des évangiles où il dit qu'il est plus difficile à un riche d'aller au ciel ou à un chameau d'aller à travers le trou d'une aiguille, qu'un riche d'aller au ciel. Oublions ça, oublions cette phrase « je n'aime pas les riches ». Moi, je les aime parce qu'ils créent des emplois, parce qu'ils peuvent être généreux,
que je constate qu'en Belgique, il y a plus de fondations en Belgique que dans toute la France. Hein, exact. Et que ça, ça me paraît très bon. La deuxième chose que je retiens des États-Unis est une expérience personnelle que je n'ai pas mentionnée et que je dis en trois mots. La mère d'un de mes associés a créé, il y a 15 ans, une petite organisation où tous les ans, elle recrute 7 à 8 personnes qui s'occupent directement des immigrés. Chacune de ces personnes a un immigré ou une immigrée qu'elle voit toutes les semaines ou tous les 15 jours, qu'elle aide financièrement quand c'est possible, qu'elle conseille pour pouvoir faire des études. Le résultat, des centaines de milliers d'immigrés qui arrivent aux États-Unis ne sont pas pris en charge seulement par l'État ou les États, mais par des individus qui veulent les aider à s'intégrer. Et je dirais que cette démarche de générosité est conforme au troisième mot de notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, et que si nous prenions l'initiative de promouvoir ce genre de comportement, notre pays serait beaucoup plus fort. Olivier Berruyer. Oui, pour rebondir, je pense aussi qu'il est important aussi de peut-être remettre dans les esprits, en particulier des plus riches, que finalement l'idée que s'appauvrir, c'est pas forcément mal. Et ça, l'avenir risque de le montrer. Moi, j'aimerais réhabiliter cette idée que perdre la moitié de sa fortune, c'est pas si grave que ça quand on est multimillionnaire, surtout si ça permet d'aider une bonne partie de la population. Ça fait moins de soucis. J'incite à chacun de relire la jolie fable de La Fontaine, Le savetier et le financier, qui est très intéressante à ce niveau-là. Au-delà de la boutade, la question était finalement quelle solution ? Je crois que c'était ça. Moi, je pense qu'il n'y en a pas et qu'il faut arrêter de vendre ce genre d'idées à la population. Je pense que ce n'est pas honnête. On est dans un système qui est en dérive totale. On a très bien vu en 2008 à quoi ça peut amener. On n'a strictement rien fait après 2008, donc il n'y a aucune raison qu'on fasse quoi que ce soit avant le prochain crash qui risque d'être assez terminal pour la finance. On est dans un avion, le pilote c'est François Hollande, voilà, il n'a pas le brevet, la moitié de son temps il tripote l'hôtesse. Alors bon, dites, c'est quoi la solution ? Alors bon, la solution c'est peut-être d'avoir un bon pilote. Ou une belle hôtesse, une hôtesse un mais peu moins. J'ai pas le pilote, non. En fait. On est dans l'avion, il n'y a pas le pilote. Donc après, c'est l'étape suivante. C'est qu'est-ce qui se passe ? Alors, on va se crasher. Sauf qu'il y a des crashs où finalement tout le monde survit, il y a des crashs où personne ne survit. Et c'est vrai qu'il faut peut-être être dans l'étape suivante. Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui peut déclencher un grand crash financier ? Et ça peut être des problèmes bancaires, ça peut être des problèmes géopolitiques, ça peut être Syriza qui déciderait au final de ne pas rembourser la dette grecque, parce que je vous rappelle que si un jour ils le décident, la veille ils promettront la main sur le cœur qu'ils rembourseront. Donc ça, malheureusement, un peu comme la Banque nationale suisse avec on ne prévoit pas ça. Mais ça peut être n'importe quoi. C'est la beauté de ce système. Ça peut être l'immobilier en Chine qui s'écroule, ça peut être un gros problème au Japon, ça peut être un tsunami, ça peut être un tremblement de terre. Ça peut être tout et n'importe quoi. On a un système qui est extrêmement fragile, un système financier qui joue avec des sommes et des risques qui se comptent en dizaines de milliards de dollars et qui ne sont absolument pas rattrapables par les États. Et donc c'est ce genre de questions. Qu'est-ce qui peut se passer pour l'épargne des gens ? On parlait tout à l'heure de la rue Quincampoix et de la faillite d'un banqueroute de l'eau des années 1715. Il faut savoir que pour 80-90% de la population, et donc à peu près tous les gens qui nous écoutent, il n'y aura pas trop de problèmes sur leur patrimoine. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont tellement peu au final qu'on pourra toujours les rembourser. Si je prends la dette publique française, 70% de la dette publique française est détenue par 10% de la population. Les niveaux les plus riches, les 10%. Donc si on dit on ne rembourse pas 70% de la dette française, 90% des gens seront quand même remboursés. Donc si vous avez moins de 10 000, moins de 50 000 euros, il n'y a aucun problème. Il y aura toujours de quoi vous rembourser. Évidemment, votre amie a 175 millions de dollars. Il va falloir qu'elle soit courageuse. Un jour, peut-être que sa banque aux Caraïbes, on va lui dire, désolé, elle a fait faillite. En fait, il n'y a plus rien. C'est ce genre de choses qui peut arriver. En tout cas, à mon sens, il serait intéressant de débattre plutôt que de dire, oui, moi, je peux vous sortir une série de 50 mesures qui seraient bien pour améliorer le système. De toute façon, ça ne se fera pas. On a un système politique qui est complètement
cloisonné, et un système d'information, on en a parlé, qui est complètement aveugle entre les imbéciles et ceux qui ne peuvent pas parler, ça vous obtenez à peu près 100% de l'horizon médiatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des débats relativement intéressants sur Internet. Je ne parle pas pour moi en l'espèce, mais on voit que malgré tout, on a des gens qui cherchent de l'information et qui arrivent à la trouver sur ce média-là, mais qui malheureusement restera inconnu pour 90% de la population, et donc le matraquage continuera. Bah, ça, c'est le genre de débat qui peut être intéressant. Qu'est-ce qui se passe pour le prochain crack, plutôt que de réfléchir comme ça sur qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça n'arrive pas. Et ben, je sais pas, déterrer De Gaulle, vous essayez de prendre l'ADN, vous essayez de le cloner, vous mettrez ça dans une brebis, vous voyez ce qui sort, vous le mettez président, et puis peut-être qu'il y aura ce qu'il faudra pour qu'on n'ait pas le problème. Mais le problème, il est devant nous, et le problème, il est, alors je ne sais pas quand, il peut être dans un mois, il peut être dans un an, peut-être dans 5 ans, si à coup d'imprimante magique, Mario Draghi réussit à pas faire sauter la BCE en faisant partir les Allemands. En fait, pour résumer votre propos, c'est cette incapacité à prévoir un plan B, une solution de sortie, c'est ça ? Mais on est dans un système où, quand je mets une mondialisation, que je mets des traités transatlantiques, que je mets ce que j'appelle l'organisation de Bruxelles, qui est là pour essayer de mettre tous les pays en concurrence et empêcher la moindre souveraineté populaire de s'exercer. Quand je mets une monnaie unique, mais quand j'en arrive là, j'ai qu'une politique possible, c'est la politique de Gattaz, il n'y en a pas d'autre. Cette politique va juste conduire à une dépression. Il faudra écrouler le système. Mais il est là, le système. Vous ne pouvez pas avoir autre chose. C'est pour ça que ça ne sert à rien de dire « Mon ennemi, c'est la finance. Qu'est-ce qui va se passer en 2017 ?» Rien. La même chose jusqu'à ce que ça disjoncte, en fait. Il est là, le truc devant nous. La question, c'est « Qu'est-ce que je peux faire ?» Ça, c'est ce qui peut peut-être intéresser les gens pour essayer d'avoir un minimum de risque si ça disjoncte. Et bien, éviter d'avoir des obligations grecques, des actions de banque, de ne pas mettre plus de 50 000 euros dans une banque. Voilà, c'est le genre de truc qui peut être intéressant au niveau des gens, que de dire qu'est-ce qu'il faudrait, ouais, ce serait bien si on, avait régulé les banques, si les gens n'étaient pas cupides, oui, c'est sûr, mais en attendant, les problèmes sont devant nous et à horizon assez proche. Olivier, un tout petit mot là. Alors un tout petit mot, d'abord je suis aujourd'hui, ça, à chaque fois cette question là ça me fait penser au gars qui s'est jeté du 40e étage, et là au lieu de lui dire si ça va, de lui demander si ça va quand il passe devant le 3e, on lui dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu te craches pas 3 étages plus bas, et moi j'ai quand même tendance à dire fallait pas sauter déjà. Bon, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire quand il n'est plus qu'à 3 étages. Hein. Il va s'écraser lamentablement. La deuxième chose, là où j'ai juste un petit bémol par rapport à ce qu'Olivier a dit. Olivier dit il y a suffisamment, en gros, d'épargne chez les 10% les plus riches pour payer pour tous les autres. Oui, s'il n'y avait que la dette. Mais malheureusement, on l'a leveragé, cette dette. Et donc aujourd'hui, la personne qui a son petit PEL, code vie, assurance vie, etc., sera rincée comme les autres, pour la bonne et simple raison qu'il n'y aura pas de sous. Parce que si on ne prend que l'épargne, oui, l'épargne correspond à la dette. Mmh. Oui, mais qu'à la dette, pas au leverage qu'il y a eu dessus. Donc, les produits financiers, le jour où il y aura une perte, ça sera beaucoup plus important. Le jour où il y aura des faillites de banques, ça sera beaucoup plus important que la simple dette de 2000 milliards de la France. Mais ce qui est intéressant, c'est de... Oui, non, mais vous voulez continuer ? On fait une autre émission Il faut bien voir que toutes les banques sont aussi en contrepartie les unes des autres. Les 70 000, les 700 000 milliards de produits dérivés, certes, c'est des contreparties la plupart entre les banques. Si un jour, vous faites une loi en disant que tous les engagements, les banques sont déliées de tout engagement, il ne reste pratiquement plus rien. Puisque tout ça, c'est des paris, des espèces d'assurances réciproques. Dans les produits dérivés, vous avez des assurances sur des CDS. Si demain, vous dites, les CDS, c'est terminé, les banques ne paieront pas, vous les déliez d'engagement, la totalité des produits dérivés de CDS est terminée. C'est juste que vous n'avez plus d'assurance sur les gens qui se pensaient rembourser. Mais déjà, cette partie sur les dérivés... Là, je pense qu'il y a eu une excellente leçon. Je pense qu'elle n'a pas été apprise, rassurez-vous. Vous avez mis une heure et vous réveillez, les gars. Il y a une excellente question, leçon qui a été la BNS. Il y a des gens qui se croyaient couverts aussi.
Sauf qu'ils ils n'ont pas été couverts parce qu'il n'y a pas eu de cotation. Donc tous ceux qui avaient mis des stops, etc., pour limiter leurs pertes, se sont retrouvés avec des pertes gigantesques. Donc attention à ça, on se croit souvent beaucoup plus couvert qu'on n'est. D'accord, mais on a vu aussi à Chypre une belle expérience communiste, puisque c'est ce qui est devant nous quand même, hein, où suite à la faillite de quasiment, alors c'était les deux plus grosses banques du pays, mais c'était pratiquement les deux seules banques du pays, certes avec une aide européenne derrière, mais enfin au final, vous avez mis la garantie des dépôts à 100 000 euros, puis tout, la personne qui avait 5 millions d'euros sur son compte, il lui en est resté 200 ou 300 000. Oui. C'est qu'une partie, on est d'accord que le problème quand le rappel est européenne, c'est rien du tout. Ah, le problème n'était que de 20 milliards. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la conséquence. Ça n'engageait pas plus que ça. C'est comme quand la Société Générale perd 5 milliards, c'est 5 milliards. Le jour où ça sera 500, il va se passer quoi? Il va se passer que là, on ne sera pas bien. C'est-à-dire que l'État français ne pourra pas mettre les 500, hein, puisqu'on est déjà largement surendetté. Donc, c'est tout est une question de proportion. Quand vous devez 1 000 euros à votre banquier, vous avez des ennuis. Quand vous lui devez 1 milliard d'euros, c'est lui qui a des ennuis. Donc, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, tout est une question de proportion. On est d'accord. Hervé, un dernier mot. Dernier. Hein. Oui, dernier, c'est de dire que le pessimisme est de sentiment, l'optimisme est de volonté, hein, et qu'il n'y a pas de fatalité. Nous pouvons, à travers différents mécanismes, nous isoler d'un certain nombre d'événements, et nous pouvons gérer notre intériorité française, financière, industrielle, sociale, avec prudence et discernement, ce que nous faisons depuis un demi-siècle. Donc moi, je crois que les problèmes ont augmenté, que nous avons bien fait de parler des États-Unis parce que c'est le centre du problème, et que nous pouvons nous organiser pour prévoir cette nouvelle crise qui peut arriver, mais peut aussi ne pas arriver, et qu'elle n'ait pas un impact délétère sur nous tous. Messieurs, merci. À partir du moment où on autorise les opérateurs à faire ce qu'ils veulent sur le réseau, en fait, on les autorise à modifier la société. On les autorise à modifier la façon dont les gens interagissent entre eux. De plus en mieux, où il y a de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de savoir et de talents, et de plus en plus de solutions. Et de plus en plus de capitaux. Voilà. Pour des projets. C'est-à-dire que ce qui manque à l'heure actuelle... Que dans beaucoup de pays, on fait évoluer le cadre institutionnel pour inclure la société civile dans le débat. Et on est très loin de faire ça en France. Je pense que c'est même un peu la terreur des institutions.